Maître Lucas, j'ai reçu ça dans mon cartable. Il y a la photo de Charlotte dessus. Mais pourquoi elle me donne une photo d'elle? Elle est amoureuse de moi ou quoi? Mais non, tu ne l'as même pas lu. C'est une invitation à son anniversaire. Elle va avoir 10 ans et elle t'invite. Trop cool, j'y vais! Mais non, attends un peu. Ici, il y a la date, le 30 mai. Ce n'est pas encore. Mais attends, je ne peux pas le faire chez moi. Ma maman et mon papa ne voudront pas que je fasse l'anniversaire de Charlotte chez moi. Mais ce ne sera pas chez toi, ce sera chez Charlotte. Regarde ici, il y a son adresse et en dessous, il est écrit Confirmez votre présence, s'il vous plaît, et il y a un numéro de téléphone. Il faut appeler le numéro, comme ça, on dit que l'on vient, et ensuite les parents peuvent s'organiser. Mais c'est trop cool! Moi aussi je veux faire une invitation pour mon anniversaire! Eh bien alors, je vais te montrer comment préparer ton invitation. Voici une autre carte. Dis-moi, c'est l'anniversaire de quel enfant? Ici est écrit le prénom de l'enfant, Thomas. Quand aura lieu l'anniversaire? Mets pause. C'est écrit là, samedi 28 août de 14 à 17 h. Où aura lieu l'anniversaire? C'est écrit là, 52 rue Émile Zola à Dijon. Pour préparer une carte d'invitation à un anniversaire, tu peux acheter des cartes toutes faites ou tu peux la faire toi-même en la décorant. Il faut qu'elle soit jolie. Ensuite, tu peux mettre ton âge, tu peux mettre ton nom, ça c'est important, il faut qu'on sache qui nous invite. Il faut également mettre la date et l'heure à laquelle il faut venir et il faut mettre l'adresse où tu vas organiser la fête. Tu peux également mettre un numéro de téléphone, comme ça les parents ou les enfants peuvent t'appeler pour confirmer qu'ils vont venir. Comme ça, tu sais combien il y aura d'enfants à ta fête. Voici par exemple un modèle de carte. Tu peux prendre ton ardoise ou ta feuille et me préparer une carte, me remplir toutes les informations. Tu peux inventer bien sûr, c'est pour s'entraîner. Mais pause, c'est parti. C'est bon, tu as terminé ta carte? Je ne peux pas te donner la bonne réponse car il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de chacun. Mais j'ai inventé l'anniversaire d'une petite fille qui s'appelle Lina et qui va avoir 8 ans. Elle va faire une fête le samedi 5 mars de 14 h à 18 h à l'adresse 15 rue des Peupliers à Paris. Il faut appeler ce numéro pour dire que l'on viendra. Si tu ne veux pas mettre de numéro de téléphone, tu peux aussi réserver un morceau de ton invitation pour la réponse. Tu laisses un espace libre pour que l'enfant que tu invites écrive son prénom. Ensuite, tu mets deux cases avec participera ou ne participera pas. Comme ça, l'enfant que tu invites doit juste mettre une croix dans la bonne case. Tu peux aussi écrire répondre avant le 15 mars. Comme ça, tu sauras vite qui viendra à ta fête. Quand c'est rempli, l'enfant que tu invites découpe le morceau de carte et te le rend. Tu sais maintenant comment préparer une invitation pour une fête d'anniversaire? Tu peux retrouver plusieurs cartes d'anniversaire sur le site maîtreluca.fr sous cette vidéo. N'hésite pas à revoir cette vidéo lorsqu'il faudra préparer ta fête. Salut!